Bienvenue à vous sur ce suivi de projet SPDR. Nous vous présentons tout d'abord les dernières recherches que nous avons effectuées sur les lames, en l'occurrence pour la forge. Monsieur Seigne nous a signifié que les lames étaient en fer, ce qui nous arrange justement pour les jonctions, puisque dans l'Antiquité, pour ces types de lames qui étaient à des longueurs entre 2 mètres et 3,50 mètres, ils juxtaposaient des morceaux de fer qu'ils soudaient à la forge. Quant à la suite, nous nous tournons aujourd'hui vers la création des barreaux pour la lanterne, l'engrenage lanterne en tout cas, qui vont être effectués par le tourneur. Enfin, nous vous présenterons en fin de vidéo les dernières propositions pour la tension des lames. Bonjour Alexis. Bonjour Olivier. Alors, comment fonctionne le tournage sur bois et si tu m'expliquais les parties d'un tour à bois et ce que tu vas faire justement pour le projet SPDR? D'accord. Alors un tour à bois, c'est très simple, c'est une machine composée tout simplement d'une poupée fixe ici avec un arbre de tour relié à un moteur. Là en face on a une poupée mobile avec au bout une contrepointe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une poupée pour... Une poupée mobile, c'est une partie, vas-y rapproche-toi un peu, qui permet en fait de venir fixer une pièce de bois entre pointes. Voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, une fois qu'on a fait à peu près nos réglages, pardon, on va venir serrer tout ça, hop, et on fixe notre pointe de bois qui est serrée entre pointes et qui va pouvoir être mise en rotation. Alors, qu'est-ce que tu vas tourner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est censé faire des prototypes en chaîne de pièces pour l'engrenage de la roue. La lanterne précisément, effectivement. Pour la lanterne, bref, voilà. Donc on passe d'un, ce qu'on appelle d'un... On passe d'un carrelet à une section cylindrique, tout simplement, de 40 mm de diamètre sur 250 mm de long. Eh bien, allons-y, montre-nous. Allons-y, voilà. Donc là, je vais régler mon porte-outil, qu'on appelle un éventail également, lui donnant suffisamment de distance pour vérifier qu'il tourne bien. Sans problème. Hop. Alors toi, t'aimes bien les anciens tours à bois? Ouais. Et pourquoi donc? Je suis partisan de l'utilisation des vieux outils. Parce que déjà, ça m'ennuie que ce patrimoine ne fonctionne plus alors que c'est un patrimoine incassable. Une très grande qualité, une très grosse robustesse. Et puis on en trouve pas mal d'occasions en ce moment, ça coûte pas très très cher. Après effectivement on se rapproche un petit peu de ce qui se faisait avant, c'est pour ça aussi que tu tournes sur ce projet là. Enfin tu tournes vraiment au sens de tourner le bois parce que justement tu as un petit peu de recul sur les anciennes techniques. Sur la méthode, oui. Voilà. Allons-y. Alors attention il fait un peu de bruit, un petit galet qui joue des tours. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose là que tu viens de prendre? Une gouche. Okay. Tous les outils à forme ovale, comme ça, là, incurvés, ce sont des gouges. À ne pas confondre avec des bédales, des outils à section carrée ou rectangulaire. Et autrement, on a également des racloirs, des demi-rondes. Ou pour finir, des crochets dans cet esprit-là pour pouvoir évider depuis l'intérieur. Jurassien et puis la bien fameuse plane ici qui est un outil extrêmement précis mais pas toujours facile à manipuler. Ok, et tous ces outils existaient déjà depuis très très longtemps. Oui, et ces outils là que j'ai récupérés sont des outils très très vieux puisque l'usine qui les fabrique a arrêté de travailler les outils de tournage il y a 40 ans. Mais ce sont des aciers exceptionnels. Voilà. Allons-y. Là c'est intéressant parce qu'il y a un nœud qui était dans la section de bois et ce nœud est particulièrement dur et dense et il aurait même tendance à arrêter le tour. Qu'est-ce qu'un nœud pour le bois? Le nœud c'est un démarrage, on le voit ici, c'était le démarrage d'une branche qui devait partir sur la section du tronc puisque là les cernes en fait, le fût il poussait droit comme ça et donc à la perpendiculaire devait démarrer une branche qui a formé un nœud. Et ce nœud, il a pour spécificité d'être extrêmement dur. On pense toujours qu'un nœud, c'est cassant, c'est là où il va y avoir un problème. Mais bien souvent, c'est bien plus dur que le bois de fil.
Monsieur Stein a soulevé le problème de tension des lames, qui, une fois qu'une des lames était tendue, les autres se détendaient. Même en plaçant une goupille métallique entre la structure en bois et la lame métallique, visiblement, on obtenait une tension qui n'était pas homogène. Finalement, avec le menuisier et d'autres acteurs, nous avons émis l'hypothèse d'utiliser le principe de la scie à cadre, comme vous pouvez le voir dans la photo, qui est une très très vieille technique de scie. Et grâce à cela, nous allons pouvoir, nous l'espérons, par un câble, ou au moins en tout cas une corde en chanvre, tendre de manière homogène toutes les lames, tout en conservant le glissement nécessaire le long du bâti. Là, t'as ta traverse fixe qui est assemblée, elle. Là, t'as ta corde. Et après, là, on peut avoir une autre traverse, mais qui, elle du jeu. Elle prend le montant, lui, il a une entaille, ouais, de chaque côté. Je vois. Et c'est un enfourchement. Mais on laisse un peu de marge. Avec la marge en profondeur, comme ça, quand tu sers, elle est comme que ça, là. Et comme ça, on a le guidage, pour le guidage qu'on jour. Retrouve ici, qui permet effectivement de manœuvrer le bloc de des lames. Et ce qui nous permet d'avoir une tension en bas, logiquement. Et comme ça, tu as des deux guidages. Et, okay. Et là, c'est très faisable et ça marche très bien. On ne bascule pas. Et on a une tension sur les lames.